juste hâte d'arriver. Ça va, tu tiens le coup? Yep. Juste les bras et le sac qui pèsent. Ah ouais. J'ai l'impression d'avoir mis les mauvaises chaussures en fait. Tu vois, ce sont pas des chaussures adaptées à la marche. Les semelles sont un peu dures. Du coup, j'ai mal aux orteils. Mais bon, j'ai envie de boire. Parce que j'ai fait la bêtise de ne pas venir avec une bouteille d'eau. Et là, j'ai envie de boire de ouf. Mais bon, on croise les doigts. Parce que tout ce qui me permet de tenir maintenant, c'est de me dire que au bout du chemin là-bas, il y a de l'eau à boire. Je suis seule. Pendant une minute, j'ai cru que je me suis perdue. J'étais perdue, mais j'entends des voix et de la musique, donc je pense qu'on est plus loin des voitures. Mais il y a une montée assez raide là, que je suis en train de pendre. Je pense que c'est la dernière avant d'arriver, enfin. J'entends le bruit de la musique. Je pense qu'on y est. Plus que quelques kilomètres, plus que quelques mètres. Voici là où on se douche, enfin on prend le bain directement dans l'eau de la rivière. L'eau est assez claire, vu d'ici ça n'a pas l'air ça, mais plus on se rapproche, plus elle est claire. Donc je vous montre ça. Voilà là où on garde les affaires, on dépose ici et ensuite on se lave ici. L'eau est assez claire. Elle est claire, elle est propre. Et là, il y a les autres qui font la lessive et la vaisselle. Et voilà. Bon, on fait avec les moyens du bord. Voilà comment on étale nos habits pour l'instant. On sèche les chaussures. Et puis la réunion de ce soir. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien. Vous avez passé un bon moment. Oui, reposé. En tout cas, on se prépare en condition. Voilà. Bien préparé. Oui. Il y a des gens qui sont venus avec des valises au moins, entières. J'ai moi, je suis sûre qu'il y a, il y a tout ce qu'il faut. Ah, il y a même le coton. Elle a même la boue. Ah ouais. Donc, s'il y a besoin. Et même l'oreiller, hein. Ah, ça. Voici où on est encore. Normalement, il faut aller trouver un endroit où aller bref, faire sa toilette. Bonjour. Deuxième jour de la tournée. J'ai une sale tête, je viens de me lever.
Normalement aujourd'hui le programme c'est quoi aujourd'hui? Ouais. On va aller à la porte du Mayon. On a encore une randonnée à faire aujourd'hui. Ok, donc petit déj, on se prépare, petit déj, et puis on va au port du Mayom. Je pense qu'on y était déjà, moi j'y suis déjà allée. Il y a une autre vidéo dont je mettrai peut-être le lien ici. Et puis, bah, la journée sera terminée, et puis on va dire que c'est quoi? Bah, c'est bouclé. Pour l'instant, on y va. Voici là où on a dormi. Là, il y a encore quelqu'un qui dort. On ne va pas le déranger. Là, on a fini ici à Malemba. On était à l'école de Malemba où on était dans les tentes et tout. Et on a mangé. On a mangé, on a pris le petit déjeuner. On est sur le départ. On range. Et puis, on va à la prochaine étape. Là, on est descendu. On est voilà, on est sur la route et on va direction les portes du Mayom. Il faut descendre là, vous voyez les autres descendre. On a encore une marche peut-être de je sais pas combien de minutes, je mettrai ça ici, combien de temps ça va prendre, mais bon. On est arrivé à la porte du Mayom. Voilà. Voilà où nous sommes. L'endroit est toujours aussi magnifique. Mais la dernière fois que j'étais là, l'eau était à un niveau un peu plus haut. Donc, voilà. Je vais avancer encore un peu pour qu'on aille voir de plus près. Mais la dernière fois qu'on était ici, le niveau était plus haut. Voilà. Salut! Voilà l'eau. Ah ouais, c'est tout ça. L'eau là-bas. Puis il y a une rivière juste là. Oh. C'est juste magnifique.